deuxième journée de championnat dans la saison 2019-2020. Une première à domicile contre le PSG. La composition d'équipe, Thiago Silva, Marquinhos et Diallo derrière. Ils avaient deux joueurs de couloir avec Meunier et Bernat. Un triangle au milieu de terrain avec Verratti, Di Maria, Draxler et puis Cavani, Mbappé devant. Donc finalement, il y a une forme de symétrie parce que nous, on est dans le même système. Très vite, on se dit qu'une bonne partie de la rencontre va se jouer dans ce secteur de jeu-là, ici, au milieu de terrain. Et on l'avait préparé dans ce sens toute la semaine. C'est surtout un match qui arrive 15 jours après le trophée des champions contre le PSG à Shenzhen en Chine. On avait perdu 2-1 et c'est un match qui nous a énormément servi dans la préparation de cette rencontre. On avait eu des difficultés dans la tenue du ballon, dans la sortie du ballon notamment, ce qui nous avait amené à subir une bonne partie du match et donc on avait insisté énormément sur ce point-là. Jérémy Gélin, ça a été pour nous une des clés et un des enjeux de la rencontre puisque la tenue du ballon était un facteur essentiel. C'est un joueur qui a une qualité de passe exceptionnelle. On a axé beaucoup de choses sur lui dans la première relance, en tout cas, et dans la qualité de la première passe. Donc on voit le rôle de Jérémy là, sur une sortie très basse, où Jérémy vient finalement s'intercaler à la hauteur d'Eduardo. Ça nous permettait, dans ce système-là, d'avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs contre 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de chez eux. C'est travaillé tout au long de la semaine. Ça fait partie dès le lundi, dès la reprise, des objectifs qu'on avait pour préparer ce match-là. Et on l'a travaillé même jusqu'au dernier moment, puisque le matin de ce match-là, on a fait un réveil musculaire. Et pendant une demi-heure, on a à vide répété des schémas de sortie du ballon. Quand on prend ce chemin-là et qu'on joue contre Paris, on sait que l'erreur peut faire partie du jeu, ça c'est clair. Et ça, c'est le but qu'on va concéder sur une sortie très basse. Ça fait partie du jeu. On est mené au score sur cette action-là. Et pour autant, il fallait surtout à la fois dans le comportement et à la mi-temps, dans la communication, rester très très positif avec les joueurs et les inciter à poursuivre dans ce cheminement-là. Ce qui s'est passé à la source avec le lancement de Jérémy Gélin était important, mais ce qui s'est passé aussi dans l'association des mouvements au-dessus était aussi capital. On avait ciblé deux joueurs qui étaient vraiment capitaux dans les lancements de jeu, c'était Verratti et Di Maria. Pour régler le problème Verratti, Clément Grenier sortait sur Verratti, comme c'est illustré ici. Et à ce moment-là, on avait Benjamin Bourigeaud et Eduardo Camavinga qui étaient en charge finalement de transformer le triangle et de devenir comme deux milieux de terrain axiaux. C'est ce qui va se produire ici, avec Clément qui est dans la zone de Verratti, Eduardo sur la droite et Benjamin Bourigeaud sur la gauche. Voilà comment on voulait limiter à la fois l'influence de Verratti dans les premiers lancements et puis on va venir après certainement l'influence aussi de Di Maria. Angel Di Maria, la gestion du demi-espace et puis la relation qu'il peut avoir derrière avec Mbappé et notamment les ballons dans le dos de la ligne défensive. On avait demandé surtout dans l'orientation de Di Maria, si on devait lui ouvrir un espace, il fallait laisser sur son pied droit. Quand Di Maria revenait à l'intérieur, très souvent il cherchait soit Bernat qui plongeait dans le dos, soit Mbappé qui plongeait dans le dos. Donc Damien et Amari ici avaient vraiment une attention toute particulière qui était portée sur ces mouvements-là, sur cette relation-là. On l'a bien contrôlé, donc après ils ont essayé de faire autre chose. Ils ont vu que là-dessus on était plutôt bien en place. Mais au début du match, ils ont cherché à nous attaquer là-dessus. Kylian Mbappé, c'est l'atout numéro un dans la prise d'espace et dans la profondeur. On ne voulait pas être trop bas, il ne fallait pas non plus être kamikaze en défendant à 50 mètres de notre but, mais je crois vraiment qu'il faut associer ce contrôle de Kylian par la gestion de Verratti et de Di Maria. Romain Del Castillo, il avait pour objectif de créer du trouble chez l'adversaire. Le rôle de Romain dans ce match-là avait été fondamental en quatrième milieu de terrain. On voit bien sur cette image-là, le rôle de Romain Del Castillo qui n'était pas aligné avec Mbaye Niang et donc la volonté qu'on avait de créer une supériorité numérique. Et en réalité, si cette supériorité numérique ici, ils ne voulaient pas la subir, les Parisiens, ça les obligeait à sortir un défenseur central de leur ligne défensive et ça nous permettait, nous, ensuite d'avoir avec Mbaye Niang une solution dans la profondeur.
On voit encore sur cette image-là le losange au milieu de terrain, avec Eduardo en bas, Benjamin Bourigeaud sur son côté droit et Clément sur le côté gauche avec Romain plus haut. Et ça, c'est vrai que ça nous a libéré beaucoup de possibilités sur la rencontre. Ça nous a donné aussi beaucoup d'oxygène. En tout cas, c'est des mouvements sur lesquels on avait insisté dans la semaine. Des mouvements qui, encore une fois, qui devaient nous permettre de créer des problèmes dans la profondeur. Sur l'égalisation, il y a le travail au large avec un super boulot d'Amari, un super centre. Après, la réalisation technique, Dembaï qui est exceptionnel. Il avait fait la finale de la CAN avec le Sénégal. Donc on ne l'avait pas eu pour le trophée des champions, on ne l'avait pas eu pour la première journée de championnat. Il avait le droit à des vacances après la CAN, comme tous les joueurs. Et au téléphone, il m'avait supplié de le laisser rentrer plus tôt, justement pour se préparer, pour pouvoir jouer ce match-là. Donc ça dénotait aussi l'état d'esprit dans lequel il était. 16 ans et demi. En fin de saison d'avant, il avait déjà fait quelques apparitions. Ça paraissait une évidence qu'il fallait le mettre dans l'équipe et le lancer. Il éclabousse ce match-là de toute sa classe. C'est vrai que d'apporter en plus Romain dans cette zone-là allait peut-être nous permettre d'avoir l'option Eduardo avec un petit peu plus de liberté. Dans la projection, il nous a permis de gagner des mètres, que ce soit par la conduite ou par la passe. Et plus le match avançait, plus les espaces s'ouvraient et plus il a été influent aussi dans ce secteur de jeu-là. La grosse consigne que je lui avais demandé, c'était de ne jamais être devant la ligne des deux attaquants et toujours être dans le dos de ces deux attaquants-là pour poser une problématique supplémentaire aux trois milieux de terrain adverses. En plus de la performance individuelle réussie à y mettre en plus une ligne statistique, puisque c'est lui qui est passeur décisif sur le deuxième but. Après, Eduardo, nous, on le connaissait dans le staff depuis très longtemps, puisqu'il était avec nous dans les catégories de jeunes. Et quand on a des joueurs qui sont capables d'évoluer dans ce registre-là, il faut surtout pas les brider. Et il a joué à plein et à merveille aussi ce rôle de supériorité au milieu avec Clément, avec Benjamin. Avec Romain, ses décrochages, ça a été certainement un casse-tête pour Paris sur cette rencontre-là. La satisfaction, elle est bien évidemment très forte, que ce soit pour le staff, pour l'ensemble du club, pour un entraîneur aussi. Je pense que ce match-là a été un élément aussi très important dans la suite de la saison, dans la prise de confiance du groupe. Et ça a été, je dirais, peut-être le premier étage de la fusée pour nous permettre de réaliser la saison qu'on a réalisée.